Tout commence dans une prairie, bordée d'une rivière. Un papillon s'éveille. Son domaine de vie, c'est ici, au cœur d'une zone humide. Depuis la nuit des temps, ces marais, tourbières ou prairies humides sont des milieux partiellement inondés l'hiver et chargés d'une forte humidité toute l'année. D'une richesse naturelle sans égale, elles accueillent tout un cortège d'animaux et de plantes inféodées. Parmi ces animaux, ce qui enivre nos souvenirs d'enfants et se joue de couleurs volatiles, légères. On oublie souvent que derrière un papillon se cache toujours une plante et qu'entre eux, l'alliance est indissociable. Le papillon y pond ses œufs et la plante nourrit les chenilles. Mais cette alliance est parfois fragile lorsque le papillon n'est lié qu'à une espèce de plante, rare ou peu répandue. Au fil du temps, l'homme a modifié et asséché les zones humides en les habitant et en les cultivant. Le cortège des plantes liées à l'eau fut ainsi remplacé par des cultures ou du béton. L'alliance entre les plantes et les papillons était rompue, entraînant l'effondrement de la plupart des papillons de zone humide. C'est donc l'histoire d'une disparition, ou plutôt celle d'une prise de conscience. Et si nous ne perdions pas seulement les papillons? Et s'ils emportaient dans leur disparition bien plus que de simples couleurs et de belles images? Dans l'une des régions les plus humides de France, des naturalistes se sont engagés dans l'étude de quatre papillons inféodés aux milieux humides et donc menacés de disparition. Ils ont chaussé les bottes, sorti les filets, les carnets et les GPS. Leur objectif, mieux comprendre la répartition et les menaces qui pèsent sur ces papillons et proposer des modes de gestion pour les protéger. S'intéresser aux papillons, c'est avant tout comprendre les liens qui unissent encore aujourd'hui les hommes à ces milieux. Des agriculteurs et des forestiers qui façonnent quotidiennement ces paysages. Où volent encore les papillons ? Insignifiant et merveilleux. Là, celui qui vole, c'est un fadet commun. Sinon, il y a pas mal de mélités, ça c'est une mélité qui vole. Sinon, les petits bleus, c'est les azurés communs, l'argus bleu. On reconnaît bien les papillons à leur vol. Les mélités, elles ont un vol vachement plané, tu vois, elles s'arrêtent, elles planent. Elles fouinent, alors que les fadets, ils ont un vol beaucoup plus nonchalant, j'ai envie de dire. Enfin, même le myrtille, tu vois, il sait pas trop, il... Chaque papillon a son caractère, sa façon de voler, bien particulière. Le cuivré des marais, lui, est un nerveux, territorial et agressif. Depuis son perchoir, il observe et protège son domaine. Si une femelle approche, il la courtise sans relâche. Mais si c'est un mâle, il le chasse à grands coups d'aile.
Le cuivré des marais fréquente les prairies humides, ou plus exactement, les rumex qui poussent dans ces prairies. Cette espèce d'oseille sauvage est la plante nourricière de la chenille du cuivré. C'est sur ces rumex que le papillon pondra ses œufs, et uniquement sur ces rumex. Ainsi, chaque petit œuf déposé est un espoir pour la vie. Là. Mais sans prairie humide, pas de rumex. Et sans rumex, pas de cuivré des marais. En notant les différentes prairies humides où le papillon est présent, Rémi a permis de dresser l'inventaire du cuivré dans cette zone. Ailleurs, plusieurs naturalistes ont fait le même travail. Et s'il est un endroit où les cuivrés papillonnent encore, ce sont les prairies communales des Barthes de l'Adour. Ici, on pratique l'élevage extensif de génération en génération. Malgré les bouleversements agricoles, ces prairies perdurent. Il faut dire que leur fonctionnement est assez unique. Les agriculteurs des environs font pâturer leurs bêtes toutes ensemble sur ces prairies communales. Ces grands espaces sont ouverts à tous. Alors, promeneurs et animaux cohabitent. Toute l'année, c'est humide. Après, c'est carrément en eau l'hiver. Hein. Donc, ici, il y a... Oui, il y a facile ça d'eau. Surtout là, il y a eu des grosses inondations au mois d'avril, je pense qu'il y avait presque un mètre d'eau. Oui, oui, on ne s'imagine pas, c'est pas du tout le même paysage l'hiver. Hein. Léa inventorie régulièrement les espèces animales et végétales présentes sur le secteur des Barthes communales. Quand ça vole, que ça fait une impression bleu-orange, 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 bon, ben, c'est que c'est le cuivré. Hein. Voilà, donc ça c'est ma femelle. Le fait d'aider les communes à entretenir leurs barthes communales et permettre aux agriculteurs de faire pâturer les chevaux, ça maintient tout simplement les prairies. Donc on est sur l'habitat essentiel du cuivré, donc si on n'avait pas ces mesures d'aide, il y a de fortes chances que les prairies disparaissent assez rapidement. Le lien entre un ruminant et un papillon n'est pas évident, et pourtant... Sans le maintien de l'élevage, comme celui pratiqué ici, il n'y aurait plus de prairies et donc plus de cuivrés. Les éleveurs, comme Raphaël, sont les gardiens de ces papillons. À chaque fois que j'y vais, j'essaie de les caresser, de leur donner un peu à manger, tout ça. Si on reste plusieurs jours sans les voir, à force, elles vont devenir complètement sauvages. Le fait d'être dans un état complètement libre, quoi, sur tous ces hectares, elles vont devenir complètement sauvages et puis seront plus habituées. L'élevage a toujours existé dans les Landes, donc bon, il est là, il y reste, dans ces zones. Hein, mais après, c'était beaucoup ont vendu les vaches pour faire du canard, parce que ben, le gavage, ça payait, donc ils ont arrêté. Et puis, bon, les vaches, c'était plus contraignant, donc on a arrêté. Et puis après, bon, c'était la panacée du maïs, quoi. Hein, on gagnait bien sa vie à faire du maïs, donc ben, c'est la génération avant moi. Hein, vous allez sur Metz, là, c'est que de la culture. Hein. Ils ont asséché les Barthes, ils ont fait des digues, ils ont fait des fossés, des pompes qui pompent l'eau, bon, un truc impressionnant, pour aller faire du maïs. Voilà. Et là, maintenant, ben, ils sont dans la logique, ils ont voulu faire retour en arrière, ils ont voulu semer de la prairie, et la prairie ne se cultive plus. C'est tellement sec qu'ils ne peuvent plus cultiver de prairie. Le voilà, le coupable, responsable de la disparition du cuivré le long de nos cours d'eau. Les cultures de maïs et de peupliers ont peu à peu remplacé les prairies humides. Plus rentables et surtout plus subventionnées par la politique agricole commune. Les éleveurs, eux, sont restés sur la touche. Aujourd'hui, les prairies humides rescapées sont des joyaux. Moi, ce que je me rends compte, bon, on a une super chance d'avoir ça. On a des foins qui nous coûtent... On va parler un peu argent, hein. Le foin qui nous coûte pas cher, bon, ça nous coûte le travail, mais on a des foins de super qualité. C'est pour ça que dans cette partie zone des Barthes de l'Adour, l'élevage est toujours là et que bon,
En plus, avec tous les labels et tout ça qu'on peut utiliser, c'est une force énorme qu'on a. Dans les Barthes communales des Landes, on observe encore des pratiques traditionnelles de pâture et de fauche. On s'y promène les jours d'été, et quand un voltigeur orangé fuse devant nous, on se surprend à n'être qu'un doux rêveur. Puis, la réalité nous rattrape. Car l'histoire n'est pas la même partout. Un autre papillon, lié lui aussi au milieu humide, ne se trouve plus que sur 3 prairies en Aquitaine. La première, à proximité de Bordeaux, est menacée par un projet de déviation routière. Coincée entre 2 cultures de maïs, la deuxième ne compte plus qu'une 10aine d'individus. Et, à 2 km de là, la station la plus importante se trouve au cœur des tourbières de Vendoire. Au milieu des 60 hectares d'étangs et de forêts ayant recouvert l'ancienne exploitation de tourbe, une prairie, unique en son genre. Petit paradis naturel échappé à la mise en culture. Au petit matin, la prairie s'anime. Des milliers d'insectes longent les tiges des hautes herbes. Les uns s'étirent, les autres tendent leurs pièges. Et puis, le voilà, encore endormi. L'azuré de la sanguisorbe. Un papillon bleu qui a fait tourner bien plus d'une tête de scientifique. Mais que font-ils ces scientifiques ? Le suspect recherché est une fourmi, Myrmicas cabrinodis. Alors c'est un mélange sucré avec de l'eau et beaucoup de miel. En général, elles adorent ça. Mais ces savants fous ne cherchent pas seulement une petite fourmi insignifiante. À 2 pas de la fourmilière s'élève une plante qui est de la plus grande importance. C'est la sanguisorbe officinale ou la grande pimprenelle. Et chaque petite fleur bordeaux, en fait, est collée à sa voisine. Et c'est sur cette plante, et uniquement sur cette plante, que l'azuré de la sanguisorbe va venir pondre son œuf. Une fois l'œuf pondu, il en sortira bientôt une chenille qui grignotera les fleurs de sanguisorbe durant 3 bonnes semaines. Et puis un jour, c'est le grand saut. La chenille se retrouve au sol, immobile et sans défense. Et c'est là qu'entre en jeu notre fourmi. Si cette petite fourmi, Myrmica, croise la chenille, elle va la reconnaître comme un membre de sa tribu, la récupérer et la ramener dans la fourmilière. La chenille va être entretenue par la fourmi, même si, au sein de la fourmilière, cette chenille va consommer le couvain de fourmis. Donc en fait, c'est un parasite, totalement parasite. C'est ainsi que durant tout l'hiver, la chenille se fera entretenir bien au chaud dans la fourmilière. Puis, un beau jour de printemps, elle se transformera en chrysalide. On va avoir un papillon qui va émerger de la chrysalide, qui lui n'émet plus de phéromones et donc peut être dévoré à ce moment-là, va quitter la fourmilière. Donc c'est rendu possible par le fait que les ailes du papillon, au moment où il émerge, parce que là, il se trouve sous nos pieds, en fait, hein, dans la tourbe, au moment où il émerge, ses ailes sont molles, elles ne sont pas encore rigidifiées.
Et donc il va pouvoir sortir, tant bien que mal, de la fourmilière, grimper sur la première branche ou herbe qu'il va trouver et laisser sécher ses ailes pendant à peu près une heure. Et la boucle recommence. Voilà. En fait, l'espèce est dite myrmécophile, stricte, c'est-à-dire qu'elle a besoin obligatoirement de la fourmi pour effectuer son cycle. Donc si la fourmi vient à disparaître, on perd le papillon. Si la sanguisorbe vient à disparaître, on perd le papillon. Un papillon ne vit que quelques jours. Il est le fruit de nombreuses métamorphoses, d'interactions insoupçonnées et imperceptibles pour la plupart d'entre nous. Mais les espèces les plus exigeantes sont celles qui disparaissent en premier. La principale cause de disparition, c'est quand même la raréfaction des zones humides et la disparition des zones humides, avec les destructions pures et simples, en fait, hein, on est vraiment là-dessus. Des milieux comme celui sur lequel on se trouve, on n'en a plus. Il faut considérer que le site des tourbières de Vendoire, c'est 60 hectares de tourbe au milieu d'un bassin versant immense. Si nous avions à peupler un monde imaginaire idéal, le choix serait embarrassant. Mais nous y mettrions certainement les fleurs et les papillons. Comme ici à Vendoire, dans cette prairie où foisonnent les couleurs et les espèces animales et végétales étonnantes. Mais si cette prairie est toujours là, aussi riche et variée, c'est qu'elle a été protégée des activités agricoles. Serons-nous condamnés à conserver sous cloche les formes de vie les plus étonnantes, dans des réserves coupées de notre monde? Ou peut-être est-il encore envisageable de mêler nos exploitations à une nature riche et dynamique? Autant de questions qui mettent en cause nos systèmes de production intensifs et mettent le doigt sur l'intérêt que nous portons à la beauté vivante de notre monde. C'est dans le triangle forestier des Landes de Gascogne qu'un tel enjeu se joue en ce moment. Dans cette immense forêt exploitée pour ses pins maritimes. Cachés au beau milieu de ce dédale de plantations, se trouvent des lieux agrippés au passé. Ici, des sols pauvres ont obligé les plantes à développer des stratagèmes divers, des plus simples aux plus meurtriers. Nous voici sur un radeau de mousse où la vie flotte et ne tient qu'à un fil. Au sein de la tourbière se cache l'un des papillons les plus menacés d'Europe. Il est une énigme. À croire certains naturalistes, c'est un poilu, à la tête, disons, originale. Sa découverte en 1787 lui valut le nom d'Oedipus, héros triste de la mythologie grecque. On lui donne aussi le nom commun de Fadée des Lèches. Mais à s'approcher de près, le fadet n'est pas si fade qu'on le dit. Plusieurs grosses ocelles parcourent le dessous de ses ailes. On dit que ses faux yeux servent à effrayer le temps d'un instant l'oiseau qui voudrait le dévorer. À regarder de loin, le fadet des Lèches n'est qu'un coureur de jupons, non violent. Il partage les voies aériennes avec son plus proche voisin, le miroir. La lande humide est un spectacle vivant,
et aérien. Et quand ils se seront trouvés, les amants s'isoleront un instant pour consommer leur désir intérieur. Puis dans les enchevêtrements anarchiques des touradons, une femelle donnera la vie. Des centaines de vies. Elle supporte alors un abdomen qui semble vouloir exploser et pond œuf par œuf isolément sur les feuilles de Molini. Le fadé des lèches est lié à la Molini bleue, cette herbe foisonnante qui recouvre la lande humide. Dans les étendues forestières d'Aquitaine, des milliers d'œufs sont accrochés à la vie. Mais remontons quelque peu dans le temps. Jusqu'au XIXe siècle, les landes de Gascogne n'étaient recouvertes que de marécages et de landes humides. Seuls les bergers et leurs troupeaux osaient s'y aventurer. L'État décida d'y développer une immense forêt de pins maritimes afin d'assainir la lande. Chauffe, charpente ou récolte de la sève, toute une économie liée au bois dynamisa la région. Puis, ces 60 dernières années, le territoire fut drainé pour intensifier la production. Malgré l'exploitation productiviste, ici et là, tourbières, landes et marécages persistent sous cet océan de pins. Le fadé, quant à lui, s'est adapté aux travaux forestiers, qui, en un coup de tracteur, quick, font disparaître la molinie d'une parcelle, obligeant le papillon à se déplacer sans cesse. Dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne, un site de 4 km² fait l'objet de toute l'attention des naturalistes. C'est dans ce périmètre que va être mené un important programme de capture, marquage, recapture du fadé des lèches. Le but, capturer plusieurs fois les mêmes papillons pour mieux comprendre leur déplacement entre les parcelles. Commence alors une incroyable chasse aux papillons. Alors combien, Edwin ? C'est peut-être celui que je viens de faire. L'avantage, c'est que le site comporte de nombreuses landes humides favorables aux papillons. L'inconvénient, c'est qu'il faut les capturer et que les landes à Molini ont la réputation d'être impraticables. Autant de reliefs imperceptibles et entrecoupés de trous, remplis d'eau. Mais combien de temps encore nos scientifiques vont-ils courir après ces papillons ? Ah ben ça, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien. On peut penser qu'un individu peut vivre jusqu'à 3 semaines. Moi, c'est ce que je penserais. À mon avis, les plus vieux, on va les trouver aux alentours de 3 semaines. Mais la grosse partie des recaptures, ce sera dans la première semaine. Au-delà d'une semaine, il n'y a plus... Gabriel, c'est l'indispensable généticien du programme Papillon. Il a quitté ses laboratoires pour mettre la main au filet. Je l'ai. 30. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième ocelle ici, c'est des 5. Et voilà, ça c'est 45. Voilà, le mâle 45. Bon bah, usure 2. Voilà, c'est bon. Le papillon numéro 45 que Gabriel a capturé et enregistré le jeudi 21 juin a été recapturé 2 jours plus tard par Rémi dans une parcelle à 864 mètres de là. Il est marqué celui-là. C'est quelqu'un d'une autre zone. Attends, celui-là, il a bougé. Hein. Puis, le 28 juin, par Amélie, 3 parcelles plus loin. J'ai 23, c'est de la recapture. Ainsi,
le linéaire de déplacement du papillon numéro 45 peut être tracé sur cartographie. L'ensemble des déplacements des papillons recapturés permettent de tirer des résultats. Parmi les sites favorables, l'étude met en avant les zones humides non exploitées imbriquées entre les parcelles. Elle démontre aussi que les pare-feux et les bords des chemins sont autant de corridors qui permettent aux papillons de se déplacer d'une parcelle à l'autre. Savoir quel est l'impact du morcellement de l'habitat sur l'espèce, ça va permettre de dire qu'il est capital de refaire des corridors de tel type entre les sites ou de faire des sites satellites autour des sites principaux ou bien de savoir si c'est, secondaire. Donc ça va pouvoir de permettre d'établir des modes de priorité de gestion pour la conservation de l'espèce. Après, la mise en œuvre de ces modes de gestion, ça c'est une question politique. Notre objectif, à nous, c'est de pouvoir établir des propositions de gestion. Là s'arrête le pouvoir des naturalistes. Car c'est du côté de la gestion forestière que dépend l'avenir du papillon. Jusqu'à présent, le Fadet des Lèches s'est adapté. Oui, mais voilà. Après des années de sylviculture intensive florissante, le monde de la foresterie est en plein bouleversement. De tempêtes et des invasions de scolytes successives ont fragilisé le système actuel. Les petits propriétaires se désintéressent peu à peu de la forêt, laissant en gestion leur bout de terre à des entreprises et des filiales de plus en plus imposantes, de plus en plus productives. Comment pourrait survivre le papillon dans une forêt qui ne serait plus qu'un support de production industrielle? Quelques forestiers, encore attachés à ce territoire, résistent et essaient tant bien que mal de trouver des initiatives s'écartant du système. Je fais tout, tous mes travaux forestiers, y compris le reboisement, comme je vous disais, que ça soit semis ou plantation. Je fais tout moi-même. Aujourd'hui, si vous n'avez pas au minimum 300 ou 400 hectares de forêt, c'est même pas la peine, quoi. Alors moi, j'en suis à des années-lumière de ça. Je fais du jardin, moi. C'est mon potager, entre guillemets. Mais si j'en retire rien, il faut que ça me coûte rien. Voilà, donc je suis obligé d'en passer par là. J'essaie de limiter les coûts le plus possible parce que c'est comme ça, quoi. Sinon, à ce moment-là, je vends. Mais on retombe dans le contexte sentimental, l'héritage d'une forêt, on a du mal à s'en séparer malgré tout. Hein. Bon, l'accident est arrivé et puis ça m'a fait prendre conscience de la nécessité de trouver d'autres solutions. Voilà, c'est ma cathédrale personnelle. C'est une coupe que je voulais faire l'hiver dernier et puis je l'ai retardée à cause de ça parce qu'on a du mal à trouver des débouchés. Des débouchés corrects, quoi. Parce que on pourrait tout faire partir en pâte à papier, mais je voudrais quand même optimiser un petit peu ça. Pendant longtemps, le bois du massif des Landes fut utilisé pour de nombreux usages, comme la construction ou le gémage. Mais depuis quelques dizaines d'années, les principaux débouchés du pin se sont réduits à la fabrication de palettes en bois et de pâte à papier. Des issues peu valorisantes et peu rémunératrices. Il y a une filière énorme qui tourne autour de la forêt grâce à la forêt. Hein. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'industries, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de gestionnaires, beaucoup d'entrepreneurs de travaux forestiers. Tout ça, ça tourne bien. Mais le producteur de lait, il bouffe pas, voilà. Il fournit son lait et il est obligé d'aller manifester dans les rues parce qu'il arrive pas, parce qu'il crève la dalle, voilà. C'est un peu la même chose que dans le lait, dans la viande ou dans la... Face à ce désarroi, il semblerait que l'avenir des forestiers et celui des papillons soient étroitement liés. Tous deux ne pourront s'épanouir que dans une forêt riche de diversité et de savoir-faire, échappant à la seule loi du marché et de la production à bas prix. Alors, quelquefois,
Naturalistes et forestiers se rencontrent et imaginent ensemble la forêt de demain. Jérôme Fouert, naturaliste du parc, et Philippe Carrère, propriétaire forestier, vont inventorier les zones humides encore présentes sur sa propriété. J'ai mon oncle qui habitait ici, et lui, il aimait bien venir sur site, ramasser dans l'autre lagune là-bas, juste à côté, il y avait pas mal de poissons, donc venir chercher du poisson, et puis après les sans-sucre aussi. Là, ici, on était dans un endroit où l'eau était présente partout. Malgré certaines évolutions, y compris intensives, on s'aperçoit qu'il y a encore une belle richesse. Mmh. Mais voilà, toute cette faune et cette flore qui aujourd'hui mobilise différents efforts de conservation, de protection. Finalement, on va y arriver, en effet, ce que tu disais, à nos fins, que si on a déjà à la base, on va dire, un terreau fertile où il y a un attachement vraiment à la terre, viscéral, voilà, à la propriété, mais surtout à la terre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un attachement à la propriété, ça c'est clair, on le sent souvent dans les discours et dans l'approche. Mais surtout, cette connaissance, cet amour d'être dehors, d'être dans sa terre, de voir comment ça se passe, et de, certes, de venir mettre un petit peu de folklore et de confetti sur « regardez, vous avez telle richesse et tel truc un petit peu particulier », mais ça ne va parler qu'à celui qui est déjà, on va dire, un petit peu amoureux de son petit point d'eau, de sa petite mare. Ouais. Et si l'intensification n'était pas la seule issue au progrès? Et si un autre avenir était possible? Celui d'une forêt vivrière, habitée par ces hommes, où les milieux humides retrouveraient leur place. Et si cette forêt-là était à portée de nos mains? On est à un tournant. On est à un tournant de la sylviculture intensive des années 51. Quoi. Voilà. Donc maintenant, le tournant, il peut être pris dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que soit on repart dans le super intensif, si on veut faire les beaux jours, des papetiers à nouveau, quoi, hein. On repart dans le super intensif, on raccourcit des cycles, et on travaille notre pain maritime, comme l'eucalyptus en Espagne. Et en troisième génération, il y aura un désert, parce que c'est ce qui se produit là-bas, en Espagne. Bon. Et la deuxième tendance, c'est de dire, bon, allez, le pain maritime ou la lande, c'est une valeur refuge. Les rendements, de toute façon, il n'y en aura jamais, les rendements forestiers. Et c'est peut-être le retour du gémage, c'est peut-être... On importe encore 57 000 tonnes de colophane en France tous les ans, des centérébenthines et de colophane en France. Toutes les dames, non, pour la cosmétique, c'est important. Et on n'en produit plus ici. Il y avait 15 000 gémeurs dans les années 60. Donc tout ça, c'est en train de... Il y a des vraies questions. Je crois toujours qu'un jour ou l'autre, on va revenir à construire des maisons avec du bois. C'est pas possible d'être au cœur du plus grand massif forestier d'Europe et pas être fichu de construire des maisons avec la production locale. Donc mes petits arbres, je cherche à faire de la qualité pour un éventuel marché du bois qui serait demandeur de qualité dans un demi-siècle. À rebours d'un système forestier de plus en plus artificiel, une poignée d'hommes s'attache à la terre et à l'eau. Et la forêt, elle, a sa part de rêve et d'histoire. Sur la commune de Sarre, au cœur du Pays Basque, la protection du patrimoine semble se conjuguer au présent. Et dans ce patrimoine, un papillon. Étienne Larzabal est éleveur de brebis à Sarre. Sur les flancs communaux du massif de la Rune, comme chaque année, il a monté sa moto faucheuse pour récupérer les fougères qui serviront de litière à ses brebis.
Ici, l'omniprésence des pierres rend impossible la fauche par tracteur. Alors, comme chaque année, Étienne perpétue ce que ses beaux-parents ont toujours fait. Le petit triangle là, tu sais, ça fait triangle là. Ce petit triangle, j'ai envie de le tester, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a une jolie fougeraie là. Et il y a le chemin en dessous. Je ramasserai tout à la main. Et remballer, faire des boules sur le petit sentier là. Ouais. Parce que moi, je fais à peu près 70 à 80 boules de fougère. Alors imagine-toi, ça fait 80 bottes de paille achetées si je ne faisais pas ça. Alors je gagne pas mal quand même. Hein. Bon, c'est du boulot à faire, il faut le faire le boulot. Hein. Bon, mais quand t'as pas autre chose, quand t'as pas chose à faire, tu fais ça. Parce qu'on a des périodes creuses. Là, c'est une période creuse. Et après, bon, à partir de septembre, il faut s'occuper des brebis et tout ça. Tu sais, la préparation pour l'agnelage. Et puis, c'est du boulot. Par cette fauche annuelle, Étienne permet au milieu de rester ouvert. Sans s'en apercevoir, il a contribué à la présence d'un papillon menacé. Un papillon que les naturalistes ont découvert il y a 5 ans au cœur des fougerets fauchés par Étienne, dans une petite dépression qui, par les lois de la nature, est devenue tourbière. Autour de cette tourbière, un mélange harmonieux de molini, de fougères et de bruyères. Et à leurs pieds, un trésor. La gentiane pneumonante, une plante liée au sol humide et au soleil. Et à ses côtés, une alliée, la fourmi Myrmica scavrinodis. Parce qu'ici, la fleur et la fourmi cohabitent, un petit azuré s'est installé, l'azuré des mouillères. Comme son cousin de la sanguisorbe, l'azuré des mouillères est lié à une plante et à une fourmi. La fleur sera son festin et la fourmilière son cocon pour l'hiver. La principale menace qui pèse sur le papillon reste l'exode rural, l'abandon du pastoralisme et de la fauche, des pratiques qui se raréfient, entraînant la fermeture des milieux montagneux. L'histoire de Sarre en deviendrait-elle atypique ? Aujourd'hui, naturalistes, éleveurs et élus se retrouvent autour du lieu symbolique de leur rencontre. Voilà, la zone de la tourbière, elle est là. C'est la zone qui est clôturée, là, ici. C'est la zone du papillon. Et ça, je vais faucher, là, je vais nettoyer, là, à côté. Et puis après, tout l'extérieur, ici. Tous les à côté, là, je fais. Pour pérenniser la population d'azurés installés dans la tourbière, le conservatoire a entrepris une double action en partenariat avec la mairie de Sarre. Celle de protéger physiquement la tourbière par une clôture et celle de débloquer une indemnisation financière pour Étienne. Les insectes, ils pensent qu'il va pouvoir venir boire. Ouais. Et en fait,
Il est collé. Et en fait, il se retrouve collé, voilà. Et puis la feuille se referme sur lui. C'est assez idéal parce que d'une part, donc là, on est sur des terrains communaux. Et la commune, à la fois pour le travail qu'on fait sur les chauves-souris dans les grottes, et puis sur la gestion des landes, et puis le partenariat avec les agriculteurs de la commune, et tout ça, ça marche très très bien, quoi. On est sur la même longueur d'onde. Et quand en plus, derrière, sur des zones communales, il y a des gens comme Étienne qui intègrent ça aussi, et puis qui, à l'échelle de la zone qu'ils entretiennent, sont intéressés par ça et apportent leur contribution, c'est des situations qui sont idéales, quoi. Après, ce qui serait encore plus idéal, ce serait Étienne qui fasse les suivis de papillons. Comme ça, on n'aurait plus rien à faire. Quand je serai à la retraite. Et puis, voilà. Ça, c'est important de communiquer. C'est que les gens sont attachés à la terre ici. Les gens, ils sont attachés à la terre. Voilà. Plus qu'à la promotion immobilière. Et tant qu'il y aura des gens qui vivent pour ce qu'ils font, c'est pas compliqué. Après, tu pourras mettre la mairie que tu voudras, c'est pas la mairie qui solutionnera. Hein. C'est que les gens sont attachés. Ici, encore des gens, des interlocuteurs qui te disent ce qu'ils font de ce territoire. Ils peuvent te dire, voilà ce que j'y fais, voilà ce que j'y ai fait, et voilà ce que j'espère que les autres feront et tout ça. Et parce qu'il y a plein de secteurs sur lesquels, voilà, quand nous, on fait des inventaires de trucs, il n'y a plus personne pour expliquer ce qu'il fait sur ce territoire-là et tout ça. Et ici, il y a ça, et ça qui est vachement intéressant. Il y a des lieux pour échanger, il y a des gens pour échanger. Tu partages quand même des richesses que tu as sous tes pieds ou devant toi. Et à un moment, quand tu te rends compte qu'ils trouvent des choses extraordinaires et que toi, tu as continué à avoir une activité sur ces terres-là, c'est que ton activité n'a pas été néfaste. Donc c'est bien aussi... que là, les naturalistes, à un moment, mettent en avant des agriculteurs et des éleveurs, leur dire, je ne sais pas exactement comment vous faites, mais je m'intéresse à ce que vous faites, parce que, voilà. Et on revient à la bosse, vous n'avez pas trouvé les papillons et le reste. Hein. Que représente un vol de papillons dans notre monde? Quelle importance a-t-il lors de notre balade du dimanche? Dans un regard, même furtif, que l'on pose sur un paysage.